épiciez alors que vous caressiez vos femmes en songeant aux petits que vos grossiers appétits engendrent. Vous disiez, ils seront menton rasé, ventre rond, notaire. Mais pour bien vous punir, un jour vous voyez venir au monde les enfants non voulus qui deviennent chevelus poètes. Car toujours ils naîtront comme naissent d'un étron des roses.